Extrait de livre choisi et lu par Marie Rachel Charles Bukowski, sur l'écriture, édition Au diable Vauvert. À Henri Miller, le 16 août 1965. Bon, c'est mon 45e anniversaire, et sur ce pauvre prétexte, je prends la liberté de vous écrire. Même si j'ai bien conscience que vous recevez maintenant assez de lettres pour vous rendre barjo. Moi-même, j'en reçois quelques-unes, assez vivantes pour la plupart et même électriques. C'est quand ils viennent à parler poèmes que ça se gâte. D'autant qu'ils joignent les poèmes. J'écoute Chopin. Ouais, Seigneur, je suis un mec réglo dans le fond et descends ma bière tout doucement. Et rencontrer votre Doc Fink avec ses blagues sur les Juifs, et aussi sa conception très laxiste du volume sonore et de l'authenticité. Il s'est ramené avec la bière, sa femme, je l'ai laissé parler et lui ai donné un collage ou quelque chose que j'avais fait. C'est votre poulain, mais merde Ça n'est pas nouveau. On est un paquet à l'être. Bref, il m'a donné un exemplaire du livre de Céline. Alors, comment ça s'appelle Voyage au bout de la nuit. Maintenant, écoutez. La plupart des écrivains me rendent malade. Leurs mots ne touchent même pas le papier. Des milliers de millions d'écrivains et leurs mots. Leurs mots ne touchent même pas le papier. Mais Céline, il m'a donné honte du pauvre écrivain que je suis. J'ai eu envie de tout jeter par la fenêtre. Un foutu maître chuchotant dans ma tête. Dieu, l'impression d'être devenu un petit garçon. Tout oui. Entre Céline et Dostoïevski, il n'y a rien, si ce n'est Henri Miller. Enfin, passé le vertige qui m'a saisi en découvrant combien j'étais insignifiant, j'ai repris la lecture et je me suis laissé mener par la main, volontiers. Céline était un philosophe qui savait que la philosophie était vaine, un que qui savait que la baise était du vent. Céline était un ange. Il a craché dans les yeux des anges et puis il est descendu dans la rue. Céline savait tout. Je veux dire, il en savait autant qu'il y a à savoir quand on a deux bras, deux pieds, une bite, quelques années à vivre ou moins que ça, mais avant toute chose. Bien sûr, il avait une bite. Vous saviez ça. Il n'écrivait pas comme Jean Genet qui écrit très très bien, qui écrit trop bien, qui écrit si bien qu'il vous fait piquer du nez. Ah, oh, misère. Et pendant ce temps, on tire des coups de feu depuis les toits et l'autre nuit, ils ont lancé un cocktail Molotov sur Hollywood Boulevard et vers Ivar, ce qui est assez proche, mais pas assez pour en sentir le souffle sur la joue. Je travaille avec des nègres et la plupart d'entre eux montent à la bonne. Et alors peut-être que je devrais porter un écriteau autour du cou avec écrit dessus Hey, hey, les nègres m'adorent Mais ça ne marcherait pas non plus parce qu'ensuite un bâtard de blanc viendrait me tirer dessus. Dieu une femme est ici en train de nourrir son enfant, et tandis que je vous écris, je me penche et dis. Oh, mange la banane Mange la banane Moi, le nourrisson difficile, bref, on doit tous passer par là. Elles sont là depuis le début de cette lettre et je fume un cigare bon marché avec ma bière et la radio allumée. Alors si cette lettre est confuse, ce n'est pas parce qu'un singe vert est en train de m'empoigner les noix sous la table. Bourré un peu. « Comme d'habitude, oui. » Chopin revit sous les doigts de... Qui Penario. Rubenstein Pas l'oreille assez bonne. Chopin repose six pieds sous terre et il tire des coups de feu depuis les toits et je suis assis en enfer dans une cuisine sale et bruyante, écrivant à Henri Miller. Une autre bière. Une autre bière. Je poursuis ma théorie sur le non-renoncement. Je n'arrêterai pas d'écrire si tout revient à la normale, je n'arrêterai pas, même s'il m'envoie une chorale de putain pour distribuer des coups de pied dans mes globes oculaires pendant qu'un sextuor de batteurs efféminés tambourine un air de la havane à faire se tortiller mon dieu sur des bongos. J'ai commencé à écrire, j'avais déjà 35 ans, et si j'attends 35 ans de plus, il restera plus grand-chose. Alors, ce soir, j'ai 45 ans et j'écris à Henri Miller. Ça va. Je crois que Doc Fink m'a pris pour un snob. C'est juste que j'aime pas qu'on frappe à ma porte. J'ai toujours été un solitaire. Je vais être franc. Je n'aime pas la plupart des gens. Ils me fatiguent, me pomplèrent, me sortent par les yeux, me détroussent, me mentent, me baisent, me trompent, me donnent des leçons, m'insultent, m'adorent. Mais surtout, ils parlent, parlent, parlent jusqu'à ce que je me sente comme un chat fourré par un éléphant. Disons juste, J'en retire aucun plaisir. À la longue, ces choses-là me font du mal. Dans les usines et les abattoirs, les gens n'ont pas le temps de parler. Et rien que pour ça, je souhaiterais remercier la bonté de mes patrons pleins aux as. J'entends jamais leur voix, même quand ils me foutent à la porte. Et de tous les fils de pute que vous avez rencontrés, je suis sans doute celui qui démissionne et qu'on débarque le plus. Mais j'entends jamais leur voix. C'est noble, c'est délicat, c'est courtois. Je mets juste les voiles et ne pense même pas à tirer sur quelqu'un depuis un toit. Je me dis bon, je vais pioncer une semaine et chercherai ailleurs. Ou alors je rentre chez moi et je m'envoie un cul et bois toute la nuit. Ce genre de choses. Je m'adapte parfaitement à ce programme. Je suis une merde, mais un solitaire avant tout. Et maintenant j'ai quelques poèmes publiés, alors ils viennent frapper à ma porte et j'ai toujours aucune envie de les voir. La différence étant que si vous êtes un solitaire et personne, vous êtes un cinglé. Si vous êtes un solitaire et un peu connu, alors vous êtes un snob. Ils trouveront toujours le moyen de vous atteindre, peu importe la façon dont vous les esquivez. Même la femme qui est là, elle ne peut pas s'empêcher de me corriger. Quoi que je dise, bordel. Je vais me réveiller le matin et dire « Bon Dieu, il fait chaud !» Et elle dira « Tu crois seulement qu'il fait chaud il fait moins chaud qu'hier. Imagine si tu étais en Afrique. Ben, ce genre de choses. Où j'en suis Une autre bière. Comment donc Maintenant, la gamine veut taper à la machine. Ok, vas-y bébé, vas-y. Je l'écarte gentiment. Et la voilà qui revient. Bon Dieu, je lui dis. Ne vois-tu pas que j'écris à Henri Miller Ne vois-tu pas que c'est mon 45e anniversaire Enfin, j'espère que vous avez reçu les trois exemplaires de crucifix. Web m'en a donné 16, ce qu'il n'aurait pas dû faire car j'ai tendance à les distribuer à tour de bras quand je suis saoule, comme ma peinture. Mais les peintures sont nazes, je crois. J'essaie toujours de faire ressortir le jaune par-dessus les autres couleurs. Peut-être comme ma colonne vertébrale. Pour sûr, je suis jaune. Je suis jaune et je suis coriace et je suis crevée et je suis bourrée. Et la vie fout le camp comme un P et je le traverse en marchant. J'arrête pas de penser à Lorenz en train de traire ses vaches. J'arrête pas de penser à sa Frida, je suis dingue. J'arrête pas de penser à des visages dans les usines, dans les prisons, dans les hôpitaux. J'éprouve aucune peine pour ces visages. C'est juste que je peux pas les sortir de ma tête, comme des baies balottées par le vent, comme de la fiente d'oiseau sur la statue de la vie. Bon mon Dieu. Et notre bière. Bon. Franck à la radio maintenant. On prend ce qui passe. Bien que la symphonie en Ré mineur soit pas une mauvaise chose. Quand j'étais mariée à cette millionnaire, j'étais étendue sur Stapi dans le coltar et j'écoutais la symphonie en Ré mineur de Franck. Elle était assise là et m'a dit, Je trouve que cette musique est affreuse. Alors j'ai su que je pouvais dire adieu au million. Elle et moi, ça ne marcherait pas. La preuve en est. Cette nuit où je la baisais dans la chambre à coucher, toutes les étagères, les pots de fleurs et les bibelots m'ont dégringolé dessus, sur le dos et sur le cul. Je veux dire, je suis un bon coup, mais pas à ce point. Elle a aussi trouvé que c'était affreux quand j'ai éclaté de rire et recommencé à la besogner en voyant le million s'éloigner, s'éloigner. Je n'aime pas les hommes qui se couvrent de ridicule. Je n'aime pas les hommes qui rient d'eux-mêmes. J'aime les hommes qui ont de la fierté. Elle m'a dit Eh bien, j'éprouve le besoin de rire, car je suis ridicule. J'ai une nature éphémère, je chie et me torche le cul, je suis plein de morve, de molards, d'insectes et de grands projets. Mais en réalité, je suis une crotte. Rien qu'une crotte. Donc il y a d'abord eu le gentleman avec l'épingle, la cravate violette et la voix distinguée, mais au bout du compte, elle a terminé avec un esquimau, un pêcheur et professeur japonais. Tami, je crois qu'il s'appelait. Tami a hérité du million. J'ai hérité de mes couilles. J'imagine qu'il n'écoute pas Franck. Enfin, j'espère que vous avez reçu les livres. C'est la femme qui s'est occupée du sale boulot en allant acheter un carton d'emballage qu'elle a découpé elle-même. Un ami à vous m'a dit qu'il paierait pour les livres. A dit Je les ferai simplement passer en note de frais. J'ai suggéré que 5 boules par livre feraient l'affaire. Et comme je touche pas plus de 10 cents par livre en droit d'auteur sur chacun des 3000 exemplaires vendus, je me suis dit que c'était de l'escroquerie. J'imagine qu'il en est arrivé à la même conclusion parce que ça fait deux semaines et je suis sans nouvelles. Mais ensuite, je lui ai dit, si t'es fauché, laisse tomber. Et j'imagine qu'en somme, on est tous fauchés. La tombe est toujours là au bout du chemin. Il n'y a pas moyen de se racheter. Jamais. Une fois à Atlanta, j'ai vécu dans une piole à 1,25$ la semaine. J'ai vécu pendant un mois avec 8$. Et écrit de la poésie dans les marges des journaux dégueulasses que je trouvais par terre. Pas de lumière, pas de chauffage, je sais pas ce que ces journaux sont devenus. Je me souviens plus ou moins de ce qui m'est arrivé. C'est normal, même quand ça devient anormal. Je brasse beaucoup de vent ce soir. Est-ce que vous lisez toujours Je me demande. Bref, 45 ans est un âge triste le pire c'était les trente ans j'en ai vu le bout je n'ai pas la prétention d'avoir du cran je me demande juste maintenant préparez-vous à la vacherie bien sûr j'aimerais vous rencontrer j'aimerais vous voir assis sur une chaise en face de moi manque de paul je suis pas très porté sur la parlotte la plupart du temps je me sens pas bien ce serait comme un prophète qui rencontre dieu et alors, vous traverseriez la pièce pour aller pisser, et je dirais ⁇ Écoutez, Dieu pisse aussi ⁇ Ne blâmez pas l'adulation. Henri, vous me voyez venir, vous êtes passé par là. Je vous appelle seulement Henri parce que je reçois ces longues lettres d'étudiants qui radotent et persistent à me donner du monsieur Bukowski à tout va, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir été kidnappé, et tout ce qu'ils veulent en fait, c'est me passer sur le corps. N'empêche, si vous décidez un jour de passer, yo Mon téléphone est le N016385 et l'adresse est sur l'enveloppe. Mais voilà maintenant que je vous chie à la gueule, oubliez ça. Céline. Céline. Oh mon dieu, Céline. Qu'ils aient seulement engendré un homme pareil Une autre bière. Bon, puisque vous êtes Céline, j'aimerais que vous sachiez qu'en dehors de l'écriture, j'ai tout connu. Les bancs publics, les usines, les prisons, garder l'entrée d'un bordel à Fort Worth, employé dans une fabrique de biscuits pour chiens, incarcéré aux côtés de l'ennemi public numéro un. quelle chance, et rouler ma bosse et me suis fait rouler. Les hôpitaux avec mes tripolaires, tringlant toutes les putains et les chiennes hystériques d'un bout à l'autre du pays, tous les boulots atroces, toutes les femmes épouvantables, et j'ai absolument tout connu est juste une partie transparée dans ma poésie parce que je manque de couilles et ne les aurais peut-être jamais. Ils ont dit dans le dernier La Grande Ronde Review que j'étais vulgaire, que j'étais nul en orthographe et toutes sortes de défauts. Je n'ai pas acheté le numéro. Je n'ai pas eu le courage, mais les a appris par quelqu'un d'autre. Ils m'ont démonté sur cinq pages et demie. Peut-être est-ce une forme de consécration. Mais ce que la plupart d'entre eux ne réalisent pas, même si je suis effectivement nul en orthographe, c'est que j'écris souvent avec un coup dans le nez et que mes foutus doigts ratent des touches et le matin je suis trop patraque pour me relire. Je parcours juste, sors la feuille, exactement comme je ferai pour cette lettre. Le matin n'est pas assez fort pour supporter la nuit. Mais au lieu de continuer, je crois que je vais m'arrêter là. Sûr et certain, j'en ai probablement assez dit. Après des débuts chaotiques, mon alarme est réglée sur la même heure depuis huit ans de boulot atroce. Mais l'autre jour, j'ai vendu une toile pour 20 dollars. À l'aveugle. Quelqu'un m'a jeté un billet de vin depuis une petite ville de Floride et m'a dit Envoyez-moi une de vos peintures. Alors peut-être que je ne suis pas tout à fait mort. Vous ne mourrez jamais. C'était un extrait de Sur l'écriture de Charles Bukowski aux éditions Au Diable Vos.